Bonjour Michel de Pixaflora. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une plante détestée des jardiniers mais très recherchée par les sorciers et tous les magiciens possibles et inimaginables. Je veux parler de cette plante grimpante qui s'appelle la brionne. A tout de suite. Son vrai nom, c'est la brionne dioïque, ce qui veut dire que c'est une plante qui porte ses fleurs femelles et ses fleurs mâles sur deux pieds différents. Alors c'est une plante, comme on peut le voir, grimpante, dont les tiges souples peuvent atteindre 10 mètres de long. C'est une plante qui s'accroche un peu partout, qui rampe, qui grimpe sur les murs, beaucoup dans les haies, notamment les haies de Thuya. Et évidemment, c'est une plante qui est considéré par les jardiniers comme une mauvaise herbe, surtout qu'il est très difficile de s'en débarrasser. Alors cette plante, elle a quelque chose d'assez extraordinaire, notamment la façon dont elle arrive à s'agripper sur les supports. Alors ce qu'elle fait, c'est que, je vais détacher là, c'est que elle émet des vrilles, comme ça, vous voyez, d'une quinzaine de centimètres de long, et ces vrilles font comme un cercle dans l'espace à la recherche d'un support. Et dès que le bout de la vrille touche, soit comme là ici l'écorce d'un arbre ou d'une tige ou d'une branche, elle va s'y accrocher. Et là il va y avoir un phénomène assez extraordinaire. Alors je vais le défaire, voir si on peut le voir un peu là. Vous voyez là, là on peut les voir peut-être un peu là, ici. Ce qui va se passer, c'est que une fois qu'elle est accrochée, la partie qui est la partie qui part de la tige de la plante va se mettre à se torsader dans un sens, tandis que la partie qui a touché le support va se mettre à se torsader dans l'autre sens. Ce qui va faire que ça va créer un ressort en fait. Et vous voyez, ce qui est génial, c'est que du coup, ça crée une espèce de souplesse, car contrairement à la vigne vierge par exemple ou au lierre, la brionne ne se colle pas sur son support. Elle est juste accrochée, suspendue et avec un système de tension, de ressort extraordinaire. C'est une des rares plantes qui fait ça. Alors, cette plante, elle a des fleurs qui sont assez moches, autant le dire, qui ressemblent à celles des courges, mais en tout petites. Ce sont des fleurs verdâtres, mais elles contiennent du nectar et du pollen. La brionne est considérée comme une des plantes les plus mellifères de France. Alors, cette plante, c'est une plante magique, mais avant tout, c'est aussi une plante extrêmement toxique, parce qu'elle pousse à partir d'une racine énorme qui ressemble à un énorme navet. D'ailleurs, son nom est souvent appelé navet du diable. Et une fois que les fleurs sont pollinisées, elle va faire des fruits qui sont des petites baies rouges, un rouge mat. Mais malheureusement, ça ressemble un peu à des groseilles, à part que le rouge il est mat et pas brillant. Et souvent, il y a beaucoup d'enfants qui arrivent à s'empoisonner avec ces baies, parce qu'il faut savoir que c'est une plante tellement dangereuse qu'il suffit de manger une vingtaine de baies pour qu'un enfant, un jeune enfant décède. Quant aux adultes, ils peuvent aussi s'intoxiquer très gravement. Toutes les parties de la plante sont toxiques, la racine, les feuilles, les tiges, etc. Et l'empoisonnement à la brionne les symptômes correspondent un peu à ceux du choléra. Vous voyez, c'est assez violent. Ce qui n'empêche pas que dans certaines régions, au moment des disettes, la partie comme ici, là, qui était les jeunes pousses, elles étaient consommées comme des asperges. Mais alors, il fallait les faire cuire pendant très longtemps. Enfin, ça, je ne vous conseille pas de faire ça parce que c'est très dangereux. D'ailleurs, vous voyez, là, je suis en train de la toucher. Et le contact des feuilles, si certaines personnes peuvent provoquer des dermites assez graves. Alors,
La partie qui est très recherchée par les magiciens, les sorciers, enfin tous les même les rebouteux dans les campagnes et tout ça, c'est la racine. En fait, là, je ne vais pas déterrer la racine, parce que d'ailleurs, c'est très difficile, parce qu'elle est souvent entraînée à enterrer profondément. Et elle, souvent, elle est énorme, elle fait une espèce de bloc comme ça, avec une pulpe à l'intérieur un peu jaunâtre, qui est extrêmement toxique. Et alors, cette partie était récoltée par tous les gens qui exerçaient un peu la magie ou un peu les sorciers dans le village. Et ils faisaient sécher cette racine, et soi-disant que cette racine avait des propriétés assez extraordinaires. Alors, par exemple, tous les gens du voyage, les tziganes, utilisent beaucoup encore cette brionne, ils recherchent les racines de brionne, parce que soi-disant, d'avoir un bout de racine dans ses poches, ça permet d'avoir de la chance, et notamment dans les affaires, au niveau du commerce, ça aide à faire du commerce. Sinon, évidemment, comme beaucoup de plantes toxiques, la plante était aussi réputée, la racine était réputée aussi aphrodisiaque. Mais alors là, attention, pour que ça marche, il fallait que, par exemple, un homme, s'il voulait un peu se ravigoter un peu sexuellement, il fallait qu'il utilise une racine qui émettait des fleurs femelles. Tandis qu'une femme, elle, il fallait qu'elle utilise une racine qui émettait des fleurs mâles. Donc vous voyez, c'est toujours l'idée du sexe opposé. Bon, je ne sais pas si ça fonctionnait, mais en tout cas, c'était tellement dangereux que je pense que ça devait créer plus des vomissements ou des choses assez graves d'augmenter le désir sexuel ou la puissance sexuelle. Donc c'est aussi une plante vraiment à éviter. Les jardiniers la détestent parce qu'en fait c'est impossible, elle est impossible à éliminer. Une fois qu'elle est dans un jardin, vous pourrez essayer tous les désherbants possibles et imaginables. À l'automne, les feuilles disparaissent, hein, mais de toute façon, elle va repousser, on ne peut rien faire. Hein. C'est comme ça, il faut accepter cette idée. Ce qui est étonnant, c'est que si les baies sont toxiques pour la plupart des animaux, les poules par exemple adorent les graines de brionne, et les pigeons aussi. Donc c'est eux qui, à mon avis, aident à la dissémination de cette plante. Alors cette plante, évidemment, il y avait toujours un symbolique, offrir un plaid de brionne à quelqu'un, c'était quand même assez, une jeune fille en général, quand on posait un bout de racine de brionne devant sa fenêtre, c'était qu'on désirait avoir des relations sexuelles avec elle. Alors, il y avait un proverbe dans le Midi, là, moi je suis de la région de Nîmes, il y avait un proverbe qui disait « Les garçons naissent dans les choux, les filles naissent dans les roses, et les lutins et les sorciers naissent dans les brionnes. » Bon, ça, c'est à vous de voir. Voilà un peu le portrait de cette plante. Donc, faites attention, c'est une plante très dangereuse. La preuve, c'est que toujours les magiciens, comme il y avait la grande plante magique, c'était bien sûr la mandragore, donc j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc si vous voulez voir la vidéo sur la mandragore, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en haut là. En fait, on l'appelait aussi la mandragore du pauvre, parce qu'en fait, ceux qui voulaient un peu tricher dans certains marchés, on vendait des fausses mandragores. En fait, c'était de la brionne, des racines de brionne qui étaient taillées un peu comme en forme humaine pour faire croire que c'était de la mandragore. En fait, ça n'avait rien à voir, à part le fait que les deux sont extrêmement toxiques. Sinon, ça n'avait rien à voir avec la mandragore qui ne pousse pas en France, évidemment. Voilà. Donc c'est une vidéo très courte, je m'en suis aperçu de cette plante parce qu'elle a envahi tout mon jardin, donc elle monte sur mes tuyas, elle monte partout, bon tant pis je la laisse, hein. Les abeilles vont utiliser le pollen de ces fleurs, bon voilà, c'est comme ça. Et puis surtout, c'est sa façon de grimper qui est quand même assez extraordinaire, cette espèce de, on peut dire que c'est la plante qui a inventé les ressorts, hein. C'est ça, vraiment je trouve ça génial.
Donc voilà cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Faites attention, regardez-la, ne la touchez pas. Et surtout, faites attention si vous avez des enfants, que s'il y a des pieds donc femelles qui donnent des fruits, vous les arrachez parce qu'il ne faudrait pas qu'ils commencent à mettre ça à leur bouche parce que sinon ça, vous pourrez vous retrouver aux urgences. Ça peut être très 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 dangereux. Ok? Voilà. Bon, je vous souhaite de bonnes vacances et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.